Et il y a une chanson là que Bisma avait chantée. Les présidents ont été enseignés, les ministres ont été enseignés, les généraux ont été enseignés, les hommes d'affaires ont été enseignés. Dis-moi, un enseignant devait-il s'ouvrir dans ce monde avec toutes ces personnes qui ont été enseignées? Dit vraiment, monsieur le gouvernement, l'affaire n'est pas encore résolue. Hein? Papa Paul Biao, depuis que tu as demandé qu'on arrange le problème des enseignants, ils n'ont pas arrangé. Oh. Ils sont seulement en train de... Ils sont maintenant passés à la phase répressive. Donc un enseignant qui lève la tête maintenant, on l'affecte qu'à des milliers de kilomètres de là où il enseignait. Et celui qui l'affecte, c'est même pas qu'on l'affecte, on lui mute. Est-ce que vous trouvez ça normal? Celui qui vous parle là, c'est le petit-fils d'un enseignant. Mon grand-père a enseigné, ma grand-mère a enseigné. Au Sébé Santé en consommant, ils sont partis en retraite jusqu'à mort comme ça. T'as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Jusqu'à mort comme ça. Quoi? T'as dit quoi? Jusqu'à mort comme ça. Hey! Continue. Jusqu'à mort comme ça sans jamais toucher une pension retraite. Vraiment, c'est malheureux. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? C'est vrai que ça, c'était les privés, mais le gouvernement aussi, ça part des responsabilités. C'est vrai. Voilà. Ce qui est mauvais, c'est que quand tu vas parler comme ça, les gens vont venir écrire en commentaire: oh, tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Oh, toi-même, c'est parce que ta position n'est pas... Je vous dis, j'ai vu les enseignants souffrir. Ah bon? J'ai vu les enseignants sortir pour grippe. Je connais les enseignants pleins en Kossama. Je connais les enseignants pleins ici à Douala. Je connais les enseignants pleins à Bafsam. Qui vivent dans une précarité très très avancée. Toujours. Je connais quelqu'un qui enseigne depuis 10 ans. Il n'est pas encore intégré. Il jongle seulement au quartier comme ça. Avec des cours de répétition pour pouvoir payer sa maison, payer l'eau, payer la lumière. Alors, on a souffert. Ah, chégué. Ils sont pleins là, concernant. Oh, c'est pitié incroyable. Depuis 3 ans, depuis 2 ans, qu'ils ont lancé le mouvement OTS. Le gouvernement joue seulement au sous-mieux, à l'aveuglette. Ce n'est pas administratif. Mais pendant ce temps, il y a les corps au Cameroun qui ont les avancements, comme dans l'armée. Il y a les corps au Cameroun qui ont reçu les dotations, comme les sous-préfets. Godness! Il y a les corps au Cameroun où il n'y a aucun problème. Comment la police, on lance tous les recrutements. J'ai dit que... Laisse mon frère, hey. Mais les enseignants sont là. On les piétine, on les insulte. Mais quand tu vas parler, on va dire, oh, ils cherchent la position. Oh, moi j'avais dit que moi, quand j'ai ma chose à dire, j'ai dit. Je ne suis pas comme les autres qui prennent les images, ils collent seulement pour créer le problème là. Je ne suis pas ça. Tu racontes quoi même? Tu as dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Moi j'avais dit que moi quand j'ai ma chose à dire, j'ai dit. Je suis pas comme les autres qui prennent les images, ils collent seulement pour créer le problème là. Je suis pas ça. Et maman. Imbécile. Moi j'ai dit, j'ai dit. C'est prostitution qui est mieux pour toi. Est-ce que c'est normal? Chaman. Il y a qui sur cette terre qui n'a pas été enseigné? Même le bandit. Les gars qui cassent les maisons là, nous ont été enseignés. Oui. Même les ceux là qui les opposants ont été enseignés. Même vous-même, vous-même qui allez m'insulter en commentaire, vous avez été enseigné. Azo mérité pandason. Vous trouvez normal? Maintenant, si tout le monde se rassemble autour du mouvement OTS, on fait un bloc, on dit que bon, à partir d'aujourd'hui, on communique. Peut-être vous pouvez même voir que l'homme de Dieu comme ça à Yaoundé, il n'est même pas au courant. Hein. Qui ça? J'ai dit le père là. Vous pouvez voir que papa produit un conseil, il est même pas au courant. Qui a dit ça? Parce qu'il y a les gens autour de lui qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? Vous croyez que c'est 180 combien de milliards qui dépassent le Cameroun? Jamais. 180 moins de 200 milliards, ça dépasse le Cameroun pour résoudre ce problème. Jamais de la vie. Non, faut pas exagérer. Moi-même, je suis assis par terre. Non, je crois pas. Faut pas exagérer. Je me suis levé ce matin, je partais moi dans mes balades sans sens. Vous savez, c'est un chemin. Quoi? Vous savez, c'est un chemin, un chemin. Bon, ça va. On a compris, non? Continue. Dans mes balades sans sens, c'est là où j'ai dit, hé, nous sommes le 5 octobre, non? C'est la journée internationale des enseignants. Pendant que les enseignants vont fêter dans certains pays, bien, ceux du Cameroun lancent seulement les mouvements de grève. Pourquoi? Moi, je connais pas faire dans la zigotomanie.
La quoi? La zygotomanie. Oh, pays. Je suis père. Et pas tous les enseignants. Il y a les enseignants qui sont en train de vaquer à leurs occupations. Vraiment, c'est malheureux. Il y a les enseignants qui partent dispenser les cours. On est fâché. Ce n'est pas bon. Certains se font mouvement hôtesse. Et les gens sont assis. Ils ne disent rien. Ils rient. C'est beau. Pourtant, ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce aux enseignants. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Tout ce qu'on fait dans la vie, la base, c'est l'enseignement. Tu peux louper l'éducation de la maison. Et tu as eu un bon enseignement à l'école. Tu es un homme récupérable, tu es un homme vivant. Ça, c'est clair. Mais si tu as une bonne éducation à la maison et l'école, tu es une galère, tu parles. 9 mois perdus. On devrait traiter les enseignants comme les demi-dieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Mais désolé, au Cameroun, c'est des malheureux. C'est compliqué. Vous voyez la chaussure d'un enseignant, si ce n'est pas penché comme les babouches, comme la poitrine d'une fille qui est dans ménopausée. Hein? C'est souillant, hein? C'est très souillant. Vous voyez, les enseignants, ils sont souvent dans vraiment. Non, c'est des soignants, je suis déçu. Vraiment, même quand vous partez souvent le 5 octobre pour vivre le défilé des enseignants, ça ressemble à quoi? Nous là, non. Nous, non. Les Camerounais, les Africains, on a vendu la honte aux chiens, mon frère. Tout ce que ces gens-là font, on les néglige toujours. Hein? Tu vois un élève passer son papa là, il parle à un enseignant comme si l'enseignant était un raté. Hey, shh, gars. Un élève vient à l'école véhiculée, l'enseignant bâche les motos. C'est souillant, hein. Tout ça là, ça fait partie du mépris. On devait interdire ça. Tu es élève, tu viens faire quoi à l'école à la voiture? Que tes parents viennent te déposer ta main. Ça, c'est clair. Vous croyez qu'un enfant qui entre en classe avec la clé de sa voiture à main, avec un gros téléphone à main, un téléphone qui est l'équivalent du salaire d'un an de l'enseignant. L'enseignant va lui dire quoi parce qu'il ne va pas me mépriser. Je te dis que... C'est comme ça que les élèves manquent de respect aux enseignants. C'est comme ça que les élèves poignardent les enseignants. C'est comme ça que les élèves même insultent les enseignants. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Tout ça sous le regard des autorités. On ne fait rien. On ne dit rien. Yeah. Vraiment, je suis étonné. Les enseignants sont seulement piétinés, chiffonnés. Les enseignants sont comme ça. C'est quand ils meurent qu'on commence à dire, ouais, il faut qu'on cotise pour acheter son secret. Il faut qu'on cotise pour faire la collation. C'est pas possible. Les enseignants sont comme ça. Ils sont comme les moins que rien. Pourtant, la base de tout, c'est eux. Qu'est-ce qu'on vous dit aller à l'école? C'est grâce à eux que le chef de l'État connaît lire et écrire. C'est grâce à eux que les ministres savent lire et écrire. C'est ça la souhait de nous, autorités de la province. C'est grâce à eux que les footballeurs savent signer, lire les contrats et signer. C'est grâce à eux que les opposants savent composer les techniques de politique pour combattre le... C'est tout, c'est eux. Ah, quoi? Ça, c'est quel pays? Ministre des enseignements secondaires, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, ministre, tout ça. C'est vous qui devez gérer ça. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Vous devez gérer les enseignants là. On a souffert. Que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Alors, je voudrais attirer l'attention de ces hommes qui sont de ces femmes qui sont à la recherche d'enfants depuis plusieurs années. Si vous avez été diagnostiqué stérile à l'hôpital, voici la solution pour vous. C'est cette gamme de produits 100% bio qui vous apporte le bonheur dans la famille. Dans cette gamme, vous allez retrouver ces purges essentiellement conçus pour dégager au niveau de la gynécologie de la femme tout type de déchets qu'on retrouve à ce niveau-là. Parce que le plus souvent, on consomme des produits pour le ventre alors que le problème est localisé au niveau de la gynécologie de la femme. Vous allez retrouver cette ovule qui permet d'activer de manière rapide et efficacement la glaire cervicale qui permet de remonter les hormones chez la femme. Alors c'est toute une gamme de produits conçus uniquement pour les femmes qui souffrent à la recherche d'enfants. Et à côté de cette gamme, vous avez ce qui est prévu pour l'homme, le spermatose qui vient travailler la qualité, la quantité du spermatozoïde chez l'homme pour permettre à l'homme d'avoir un sperme de qualité mais aussi de quantité. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.